Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Donc sur cette chaîne, on parle de maquillage, de beauté, de soins. Donc si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié des différentes sorties de vidéos. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Get Ready With Me. J'avais très envie de vous proposer aujourd'hui, voilà, un petit look un petit peu automne, Halloween-esque, un petit peu quelque chose comme ça. Donc écoutez, bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'avais envie de profiter de cette vidéo pour vous montrer un blush que j'ai reçu récemment. Je vous en avais parlé, mais je vous l'avais pas encore montré. Donc je viens de le recevoir, c'est celui de chez RMS. Donc c'est la teinte Maiden's Blush. Donc j'avais commandé la teinte French Rosé que je vous ai montré dans plusieurs vidéos que j'ai adoré. Et du coup, bah, à la suite de ça, j'avais décidé d'acheter cette deuxième teinte que voilà, je viens de recevoir. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion un petit peu dans ce look un peu automne de sortir cette teinte parce que voilà, franchement c'est la teinte parfaite un peu pour la saison. Et j'avais envie aussi de réutiliser un petit peu voilà, mes produits de Tower 28 et un peu des choses un peu diverses et variées. Donc allez, bah, c'est ce qu'on va faire sans plus tarder. Donc on va se lancer dans un look un petit peu automnal, un petit peu Halloween. Allez, on y va. Donc voilà, j'ai zoomé pour que tu vois mon maquillage d'un petit peu plus près. Donc je vais commencer par mon primer. Donc c'est toujours mon primer le même que j'utilise, c'est toujours celui de chez Glow Recipe. Donc je vais mettre ça un petit peu en base parce que c'est vrai que voilà, j'ai la peau un petit peu déshydratée et un peu fatiguée. C'est vrai que là ça fait un bon mois là que je suis malade. J'en peux plus, donc c'est vrai que vous avez peut-être pu le voir sur la chaîne, il y a une ou deux vidéos enfin, qui ne sont pas sorties, enfin il y a un ou deux slots où d'habitude je sors des vidéos, parce que d'habitude j'en sors tous les mercredis et tous les dimanches, et là j'ai eu quelques mercredis où j'ai rien sorti du tout, parce que bah, j'étais malade, donc j'ai pas pu filmer comme je voulais. C'est vrai que là c'est un signe, voilà, tous les élèves dans les classes étaient malades, et c'est vrai que ça fait un mois là un peu que je me traîne des trucs là, ça a été un peu compliqué. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que vous avez pu voir que quelques vidéos ont loupé. Donc ça fait un petit moment là que j'ai pas trop pu filmer, donc vous en avez peut-être un peu moins rendu compte parce que j'avais un petit peu des choses d'avance, j'avais un peu pré-filmé. Mais c'est vrai que là, ouais, ça fait bien 2 semaines que j'ai pas filmé. Donc je dois dire que bah, je suis bien contente d'être là devant la caméra avec vous aujourd'hui pour faire un petit look parce que je dois dire que ça m'avait quand même pas mal manqué. Donc voilà, donc c'est vrai que là ces temps-ci... ouais, entre la fin de... ouais, un peu la période avant vacances, voilà, tout le boulot qu'il y avait, et puis c'est vrai que... ouais, un peu les virus, j'étais malade, franchement, ça a été un peu compliqué. Donc là, je vous dois dire que je suis pas triste d'être en vacances, en toute honnêteté. Donc pour commencer ce look, je vais mettre un peu d'anti-cerne, donc sur mes yeux, un peu comme base. C'est vrai que d'habitude, je fais plutôt mon teint avant mes yeux, mais vu que je vais utiliser peut-être quelques fards qui sont un petit peu plus... voilà, un petit peu plus, on va dire, pailleté. J'ai peur d'avoir un peu des chutes, donc je vais d'abord faire mes yeux. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais très souvent. Mais là, pour le coup, pour aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Donc comme vous pouvez le voir pour l'anti-cerne, j'ai ouvert mon Kosas parce que bah, j'ai terminé bah, celui de Madara que j'avais dans Project Fan. Comme je vous disais la dernière fois, il m'en restait vraiment très très peu. Donc là, voilà, évidemment, ce qui devait arriver arriva. Il est terminé, franchement. J'ai adoré cet anti-cerne Madara. Je crois que je le préfère au Kosas. Franchement, je crois que ouais, c'est vraiment celui que j'ai préféré de tous les anti-cernes que j'ai testé. Franchement, ouais, gros coup de cœur, je l'ai adoré. J'étais vraiment triste de le terminer, mais bon, voilà, hein, je savais que ça allait arriver. Donc je pense que franchement, je le rachèterai celui-là quand il y aura une petite promo, là. Parce que franchement, je l'ai trouvé très 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 bien. Donc bon, pour le moment, là, j'ai le Kosas que j'ai rouvert. Mais c'est vrai qu'à l'occasion, clairement, celui-là, je le rachèterai. Donc ce que je vais faire, donc j'ai mis un peu d'anticerne pour avoir voilà, une bonne base. Je vais juste donc poudrer un petit peu avec ma poudre donc, de chez Bright, toujours la même que je suis bien en train de panner. Voilà, histoire que du coup bah, que les fards tiennent bien et que ça crisse pas. Parce que voilà, c'est vrai que si je fais pas ça, mes fards ils ont vraiment tendance à crisser. Donc comme ça, ça évitera que ça file dans les plis et que ce soit catastrophique. Donc voilà, comme ça, ça nous fait une bonne base. Donc pour mon look des yeux aujourd'hui, je vais utiliser mes palettes de What's Up Beauty. Donc je vous l'avais montré dans ma vidéo rangement collection, j'ai mis mes deux palettes là-dedans pour tout avoir sous la main. Parce que c'est vrai que ces deux palettes, j'ai tendance à pas mal les utiliser ensemble parce que je trouvais vraiment qu'il y avait des teintes dans une palette que j'aimais bien utiliser avec d'autres palettes, d'autres teintes de l'autre palette, donc j'avais tendance à toujours les sortir ensemble. Donc je me suis dit bon bah tant qu'à les sortir et toutes les mettre au même endroit, comme ça je prends ça et j'utilise un peu ce que je veux. Donc j'avais mis que certaines teintes dans la vidéo que vous avez pu la dernière fois. Voilà, j'ai tout sorti, j'ai tout mis au même endroit parce que bon c'est vrai qu'il y a des teintes
teintes que j'utilise un peu moins, mais voilà, c'est vrai que ça peut toujours servir, et de toute façon aujourd'hui j'avais envie d'utiliser un petit peu ces teintes là justement. Donc j'ai vu passer un look que quelqu'un a fait et j'ai trouvé ça super, et j'ai eu envie d'essayer de le recréer avec bah justement un peu avec ces teintes là. Donc je trouvais que ça faisait c'était un look un peu moutarde, un peu sympa, et je me disais que ça pouvait être très sympa un peu pour la période. Donc écoutez, bah c'est ce qu'on va faire. Donc je vais commencer par prendre donc mon pinceau. Je vais commencer par cette teinte un peu moutarde qui faisait partie de la Giot Palette, si ça vous intéresse. Et je vais venir du coup la mettre un peu en base. Donc c'est vrai que cette teinte jaune, elle est très jolie. Elle est vraiment... c'est vraiment une jolie teinte moutarde. Donc c'est vrai qu'en toute honnêteté, voilà, c'est pas le genre de teinte que j'utilise vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que dans le look ouais, que j'ai vu, j'ai trouvé que c'était tellement sympa et tellement original. Et je dois dire que je trouve que les fards de cette palette sont vraiment très sympas et très agréables à travailler. Les mats, ils sont vraiment très sympas parce qu'ils sont, sont assez crémeux. Ils ont une bonne pigmentation et en même temps, ils s'estompent bien. Donc c'est vrai que je trouve que c'est une formulation vraiment hyper sympa et très réussie. C'est vrai que pour le prix, je dois dire que je ne m'attendais pas forcément à quelque chose d'aussi bien. Et c'est vrai que pour le coup, cette teinte marche, est vraiment très adaptée pour un look un peu... voilà, un peu automne, je me suis dit que ça pourrait faire quelque chose de cool et de sympa. Voilà, ça nous fait une bonne base bien jaune. J'ai vraiment voulu en mettre sur toute ma paupière parce qu'après j'irai par-dessus avec cette teinte un peu duochrome. Et c'est vrai que celle-là, je trouve qu'elle a tendance vraiment à changer le rendu suivant ce que vous mettez en dessous. Donc je voulais voir un peu ce que ça allait donner si je faisais ça. Donc pour le... je vais venir foncer un peu en coin en mettant donc la teinte un peu foncée marron ici. Qui était elle de la palette... Monsoon, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc elle est assez pigmentée, j'en ai peut-être pris un peu trop. Hop. Donc je vais en mettre juste ici, un peu en coin. Histoire de, voilà, d'apporter un petit peu de dimension. C'est vrai ouais, que ces deux palettes là de What's Up Beauty, ça a vraiment été de très jolies surprises pour moi. Ouais, j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. C'est pas grave, on va estomper, ça va aller. Parce que c'est vrai que je m'attendais vraiment pas à une aussi bonne qualité en toute honnêteté. Donc bon, je m'attendais à ce qu'elle soit bien, mais c'est vrai que ouais, j'ai vraiment été bien, bien surprise. Parce que c'est vrai que c'est pas une marque forcément hyper connue, mais ouais, c'est vrai que bon, bah ils ont des mats très agréables, très crémeux, ils se diffusent hyper bien. J'ai testé beaucoup de teintes dans cette palette, quasiment toutes. Enfin, dans ces deux palettes, j'ai utilisé quand même la majorité des teintes maintenant. Et j'ai eu aucun souci, il n'y en a aucune qui était patchy. Et les irisés sont toujours vraiment très sympathiques. Franchement, le seul reproche que j'aurais presque un peu à faire à ces deux palettes, c'est que des fois, il y a certaines teintes que je trouve sont pas forcément les plus portables au quotidien. Après, bon, c'est pas forcément non plus un gros défaut parce qu'elles sont quand même bien faites. Parce que dans chacune des deux palettes, bon là du coup j'ai tout mis, mais c'est vrai qu'il y a quand même plein d'options pour faire des choses vraiment portables pour la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a aussi des très beaux duochromes dedans. Donc c'est vrai que bon, il y a certains duochromes qui sont pas les plus portables hein, clairement, mais c'est vrai que je trouve que justement elles sont bien faites parce qu'il y a un bon mélange entre des choses faciles à porter pour la vie de tous les jours et des choses un peu plus voilà, un peu plus punchy, un petit peu plus un peu unique, un peu différente, un peu originale. Il y a des couleurs très variées, voilà, il y a des trucs très nude, il y a des choses un peu plus voilà, un peu plus colorées. Je trouve qu'elles sont très bien pensées et franchement les fards irisés sont d'hyper bonne qualité, ils sont très ouais, ils sont duochrome, pailletés, mais ils font pas épais, ils sont très beaux. Donc j'en suis vraiment très contente de ces deux palettes. Donc voilà, on a notre base. Donc maintenant, on va venir prendre l'irisé. Donc je vais prendre mon pinceau de chez NYX. Donc c'est le pinceau plat 43 que je vais mouiller avec mon spray de chez Lily Lolo. Hop. Et je vais venir donc prendre cette teinte ici. J'espère que vous pouvez le voir un peu. C'est une teinte duochrome. Franchement, voilà, elle est magnifique. Donc cette teinte, elle était dans la palette G-Odds. Donc je vais venir la prélever et je vais venir mettre ça donc au-dessus de ma paupière. Donc j'espère que ça va bien marcher. J'espère que mon look va rendre aussi bien que ce que j'ai en tête. Donc voilà, j'ai dézoomé un petit peu. Donc pour le moment, je dois dire que les yeux... je suis pas forcément hyper fan. Bon, on va faire le reste et on va voir s'il y a besoin de changer quelque chose. Donc du coup, je vais passer au fond de teint. Donc pour le fond de teint, voilà, j'utilise toujours celui de chez Rose Inc, celui qui est dans mon Project Pan. Comme vous voyez, je l'avance vraiment beaucoup. Il m'en reste une petite moitié. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. Donc c'est vrai que comme je vous disais, c'est quand même... voilà.
un produit quand même assez spécial. Je pense pas qu'il plaira à tout le monde, clairement. Mais si vous avez pas des masses de trucs à cacher, que vous aimez quelque chose qui a un rendu hyper, voilà, hyper naturel, qui fait hyper. Voilà, où on voit encore la peau en dessous, ça fait pas maquiller, et que vous voulez un petit glow, mais très léger, très naturel. Franchement, il est très très bien ce fond de teint. Après, c'est vrai que clairement, je trouve pas que ce soit un produit qui se finisse à... enfin, qui se suffise à lui-même, pardon, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas un produit qui a une énorme couvrance, quoi. Hein. Donc c'est vrai que si vous le payez pas quand même avec un bon anti-cerne, je trouve que ça fait un petit peu léger. Enfin bon, moi en soi sur le teint ça va, mais c'est plutôt voilà, c'est vrai que c'est plutôt au niveau des cernes et tout que bon bah voilà, il me faut absolument quelque chose d'un peu plus couvrant quoi pour ces zones-là. Mais après c'est vrai que je trouve que c'est un joli produit, il a une jolie voilà, un joli rendu sur la peau, ça je dois dire que j'en suis quand même très contente et bah voilà, c'est vrai que je l'ai utilisé avec enfin je l'utilise en tout cas toujours avec bah, encore beaucoup de plaisir, même si c'est vrai que c'est quand même une texture un petit peu spéciale et que je pense pas clairement que ce soit un produit qui convienne à tout le monde, mais si vous êtes adepte des choses un peu légères, naturelles, qui est infinie, voilà, très très naturelles. Franchement, je trouve qu'il est très joli. Non, moi, ce que j'aime bien faire avec ce produit, la méthode que je trouve le plus adaptée, c'est que je le mets sur mon visage. J'utilise d'abord le pinceau pour, on va dire, travailler la matière et que ça se diffuse. Et ensuite, je viens comme ça à l'éponge pour finir de faire rentrer, voilà, un petit peu les le produit pour éviter qu'il y ait un peu des traces, quoi. Voilà, comme ça se diffuse bien, comme ça marche bien. Je trouve que, voilà, c'est vraiment ma méthode d'application préférée. Parce que j'ai essayé... pas mal d'applications différentes et voilà, c'est vrai que celle-ci reste vraiment celle que, bah, que je préfère. Donc c'est vrai que vous voyez qu'une fois qu'il est rentré, bon bah clairement, voilà, ça unifie, ça fait peau très, très fraîche, mais c'est vrai qu'on voit encore quelques imperfections, là on voit quelques rougeurs encore à travers et clairement voilà, mes cernes ne sont pas du tout camouflées. Donc c'est vrai que si vous êtes quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'imperfections, que vous voulez juste quelque chose de très léger, de très naturel pour unifier un peu, je pense que voilà, c'est un produit qui pourrait vous plaire. Après, vous attendez pas à quelque chose avec une couvrance de dingue, quoi. Donc du coup, pour l'anti-cerne, je vais venir donc reprendre celui de chez Kosas. Donc je vais venir donc l'appliquer là au niveau de mes cernes, parce qu'il y en a quand même un peu besoin. Vu que je suis encore un peu malade et très fatiguée, il y a besoin d'un peu d'anti-cerne. Un peu sur le nez, ici, là et là, où j'ai toujours un peu des rougeurs là, qui traversent. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc je vais le laisser poser un petit peu. La chose qui est un peu qu'il faut savoir avec le Kosas, c'est que si vous voulez pouvoir utiliser un petit, l'utiliser à sa capacité maximale de couvrance, il vaut mieux le poser, enfin le déposer, le laisser poser un petit peu justement. Voilà, vous pouvez faire quelque chose pendant ce temps. Moi souvent je fais mes sourcils. Et puis après, une fois qu'il est un petit peu séché, mais pas trop non plus, vous laissez tomber et comme ça garde bien la couvrance. Donc souvent c'est ce que je fais. Donc cette anti-cerne, c'est au moins le troisième que j'ai. Si j'ai la teinte la plus claire, 0.5N. Je l'aime beaucoup. Franchement, il est très léger, il est très fin. Il se diffuse hyper bien, il est très naturel sur la peau, la teinte est vraiment très bien, il file pas dans les pluies, je l'adore cette anti-cerne. Mais je dois dire que maintenant que j'ai utilisé le Madara, j'ai une toute petite préférence pour le Madara parce que je trouve que il se ressemble beaucoup et enfin, franchement, grosso modo, c'est un peu la même chose. Sauf que le Madara, j'ai pas besoin de le laisser sécher comme ça, voilà, je peux le mettre, je le diffuse, pas de souci. Mais il se ressemble vraiment beaucoup ces anti-cernes, je m'attendais pas à ce qu'ils se ressemblent autant, mais ils se ressemblent vraiment beaucoup. Donc si vous avez envie du Kosas, mais que vous avez du mal à trouver une teinte qui vous plaît, ou vous avez pas envie de quelque chose qu'il faut laisser sécher, de tester peut-être le Madara. Si vous l'avez pas testé, je trouve qu'ils sont très similaires. Donc comme je vous le disais, en attendant que l'anti-cerne prenne un petit peu, je vais faire mes sourcils avec donc mon petit produit du jour de chez NYX, c'est le mascara teinté pour les sourcils. D'ailleurs, en parlant d'anti-cerne, j'ai vu que Avril avait sorti un anti-cerne liquide. J'avais testé celui qu'ils avaient fait en crème il y a longtemps. Il n'avait pas trop bien marché pour moi, mais je dois dire que bah, cette nouvelle sortie m'intrigue un peu. Donc n'hésitez pas à me dire si est-ce que ça vous intéresserait que bah, peut-être que je le prenne pour qu'on le teste, pour qu'on voit ce que ça vaut. Et c'est vrai que bon bah j'avais envie de tester de faire une petite vidéo si je trouve un peu des produits qui me plaisent petit prix. Du coup bah je me suis dit que pour cette vidéo ce serait bah, sympa de tester ça à l'occasion. J'avais envie, ce que j'ai vu aussi
qui a plusieurs marques, petit prix que j'ai pas trop testé, par exemple Charlotte Bio, j'ai vu qu'ils avaient fait un eyeliner marron et j'en cherchais un justement, donc je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion, et voir peut-être s'il y a quelques autres produits qui pourraient m'intéresser, un peu petit prix dans ce style-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait de faire ça, ou même n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires des recommandations peut-être de produits ou de marques que vous voudriez que je regarde, que je teste, voir s'il y a quelque chose qui me plaît. Et si c'est le cas, bah, je pourrais tout à fait vous faire voilà, une petite vidéo petit prix sur ces produits-là. Mais c'est vrai, quoi, j'avais vu quelques produits un peu comme ça qui m'intéressaient petit prix. Voilà, l'anti-cerne, donc cet eyeliner. J'avais vu un blush Benecof, c'est qui me traitait dans la tête, là, qui était un peu rose et froid, qui avait l'air très beau. Ça m'interloquait. Et j'ai vu aussi, quoi, je crois, Essence. Ils avaient fait un espèce de primer aussi qui m'interloquait. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un peu dans les commentaires si c'est une vidéo qui voudrait ça vous intéresserait que je fasse. Et si vous avez des références ou des marques ou quelque chose, voilà, de particulier à me conseiller. Donc maintenant que mes sourcils sont faits, allez, on va estomper un petit peu notre anti-cerne. Donc voilà, pour le teint, donc c'est vrai que voilà, le combo de ces deux produits, sans surprise, ça fait vraiment quelque chose de magnifique. C'est vrai que je trouve que le côté hyper léger, hyper naturel, hyper frais de ça, plus un bon anti-cerne, je trouve que ça fait vraiment une base magnifique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Et la teinte marche très bien. C'est vrai qu'à la caméra, j'ai toujours l'impression qu'elle a l'air un peu claire, mais je trouve qu'après, voilà, enfin, ça s'oxyde. Ça prend forme et je trouve pas que ça fasse une démarcation spécifiquement. Pour le bronzer, j'avais envie de tester quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. J'avais envie de tester ces crayons en tant que bronzer. Je vous en avais parlé déjà de ces crayons dans une vidéo que j'ai fait récemment. Et je vous avais dit que j'avais vu quelqu'un dans une vidéo tester ce produit en tant que bronzer contour. Et je veux dire que ça m'a interloqué et j'ai eu envie de tester ça aujourd'hui. Donc je l'ai pas encore testé cette technique avec ce produit. Bon, écoutez, on va tester, on va voir si ça marche ou si c'est une catastrophe. Où est mon pinceau de Cloven Hale? Donc je vais prendre ce pinceau de Cloven Hale et on va essayer. Donc du coup c'est les nouveaux crayons Tower 28, c'est leur gamme One Liner, donc c'est des produits multifonctions pour utiliser voilà, en tant que blush, bronzer, pour les yeux, sur les lèvres, plein de manières différentes. Et la teinte ce marron, c'est la teinte Draw Me. Je l'avais essayé en crayon avec vous et j'avais un peu galéré, mais je l'ai pas testé comme ça, donc écoutez, on va... Oh mon dieu, j'espère que ça va pas être une catastrophe, sinon je vais tout ruiner. On va voir... Bon allez, on va essayer ça tout de suite. J'avais utilisé une teinte en tant que blush, ça avait été hyper bien. Ah si, c'est très bien. Ouf, j'ai eu un peu peur. Mais par contre, je trouve que c'est un marron, mais un marron qui a quand même un peu de rosé dedans. C'est vrai que je m'en étais un peu moins rendu compte quand je m'en étais servie en tant que crayon. Mais là, maintenant que je m'en sers sur mes joues, je trouve qu'on voit qu'il y a un côté un peu... Ouais, assez rosé dedans finalement. C'est très beau. C'est très joli. Bon, du coup, c'est pas une teinte contour. Hein. C'est un peu. Ouais, il y a ce côté un petit peu. Mais c'est très joli par contre. Est-ce que j'en mets un tout petit peu là-haut peut-être? C'est vrai que ces crayons, ils ont une texture un peu particulière. Mais très sympa parce que. C'est un bon entre-deux où c'est quand même assez crémeux pour bah, bien se diffuser. Mais en même temps, c'est vrai que. Ils se tiennent quand même pas mal. Donc je suis encore un peu en train de les tester. C'est vrai que je vais pas vous mentir, depuis ma vidéo où je les ai testés, je les ai pas trop réutilisés. Parce que bon, c'est vrai que je dois vous dire que pour aller travailler, c'est vrai que les crayons, c'est pas forcément ce que je mets le plus parce que bah, ça demande un peu plus de temps. Et voilà, des fois le matin, je suis un peu à la bourre. Alors voilà, j'utilise plutôt des choses rapides et faciles et efficaces, ou en tout cas que je connais, plutôt que des produits que je découvre. Mais écoutez. Ça rend très bien. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que cette teinte en tant que bronzer, enfin bronzer, marche hyper bien pour ma carnation parce que... Ouais, ça fait un peu un entre-deux où d'un côté ça fait un peu bronzer, mais il y a presque un côté un peu blush avec, vu qu'il y a ce sous-ton un peu rosé. Bah écoutez, j'aime beaucoup. Ça marche très bien, j'adore. Alors pour le blush, du coup, comme je vous disais dans l'intro, j'avais envie de vous montrer bah, ce nouveau blush de RMS que je viens tout juste de recevoir. Cette magnifique teinte de chez RMS. Donc j'avais au préalable la teinte French Rosé, qui est une teinte un peu rosée froide, et enfin rosée rosé nude, pas non plus hyper froide, mais elle est magnifique. Et j'avais tellement aimé ce blush que j'ai été tentée de celle-là. C'est vrai que j'ai entendu dire à tellement de personnes que c'était leur teinte préférée, parce que voilà, c'est
un nude parfait quoi. Et du coup bah, j'ai eu envie de la tester. Donc elle s'appelle Maintenance Blush, donc je vais vous montrer un petit swatch. Donc elle se présente comme ceci, donc c'est vrai qu'elle a l'air assez marronnée, mais elle est sympa parce que... En fait elle est très nude quoi. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu rosé dedans et c'est très joli. Clairement si vous êtes quelqu'un, vous voulez peut-être qu'un blush, vous n'avez pas forcément envie de mettre du bronzer, je pense que ça pourrait être une très bonne teinte, ou si vous voulez un blush un peu nude. Et je veux dire que j'avais beaucoup aimé, en tout cas sur l'autre teinte, la formulation de ces blushs, parce qu'ils sont très... ils ont une texture hyper fine et hyper veloutée et ils sont lumineux, mais en même temps il n'y a pas des grosses particules de paillettes. Et c'est, j'aime beaucoup la texture de ces poudres parce qu'elles sont très crémeuses et très fines. Parce que c'est vrai que les poudres, des fois, je trouve que voilà, ça fait un peu. Ça fait un peu asséchant, ou ça se voit qu'on a de la poudre, alors que ceux-là, ils se fondent à la peau merveilleusement bien. Donc je vais venir prélever. Donc je l'ai testé qu'une fois, hors caméra, ce blush, parce que je vous avoue que j'ai été curieuse, je n'ai pas pu attendre. Donc allez, on va venir l'appliquer. Je pense qu'en plus avec ce blush et le look là, ça devrait bien marcher. Et je vais venir l'appliquer là. Voilà, et comme l'autre teinte, ça se travaille, ça se diffuse hyper bien. La pigmentation, je dirais, est un peu comme l'autre. Ce que j'aime bien sur ces blushs, c'est qu'ils sont pigmentés, mais ils sont pas non plus... genre trop pigmenté d'un coup, donc vous pouvez construire, et ça c'est ce que j'aime chez un blush. Et c'est vrai que cette teinte, j'ai mis très longtemps à la prendre, parce qu'elle me le disait, mais j'osais pas la prendre parce que j'avais peur que ce soit trop nude, que je trouve ça trop terreux sur moi, que ça fasse orange, j'avais un peu peur. Mais je dois dire que bah, j'aime beaucoup parce que, bon en effet elle est plus, entre guillemets, plus chaude évidemment que French Rosé, mais elle a un côté assez intéressant parce qu'elle a un côté nude. Mais dedans, il y a quand même une pointe de rose, ce qui fait que ça, que c'est vraiment très portable. Et là, je me suis quand même un peu emballée, j'en ai mis un peu beaucoup. Je vais estomper tout ça peut-être avec un peu de poudre parce que je me suis un petit peu emballée. Mais c'est vrai que du coup, je trouve que ça fait un résultat vraiment très joli. Surtout pour cette période un peu automnale. Là, je trouve que c'est une teinte qui marche vraiment bien pour cette période. Donc voilà pour la teinte, donc franchement je trouve que c'est une très jolie teinte, un peu voilà, un peu nude chaude, très jolie, le sous-ton un peu rosé là est très très beau. Franchement, voilà, sans surprise, je suis ravie de cette teinte, je la trouve très sympa et voilà, le blush est toujours d'hyper bonne qualité. Donc c'est vrai que si vous cherchez un joli petit blush irisé, ceux-là je vous les conseille, ils sont vraiment très très bien. Donc rapidement, je vais juste venir mettre un petit peu de poudre dans les quelques zones où j'en ai besoin. Je ne vais pas en mettre trop, je vais juste en mettre un peu là, peut-être un petit peu sur mon nez et sur mon front. Voilà, juste un peu histoire de là, histoire que mon front ne brille pas trop, comme ça, ça sera bien. Mais voilà, j'ai pas envie d'enlever trop la luminosité de mes joues, donc je vais pas en mettre là. Pour l'illuminateur, j'avais envie de mettre un petit peu de celui de Nabla en teinte Ozone, voilà, qui est le seul illuminateur poudre que j'ai, mais franchement, je l'adore. Et c'est vrai que pour Halloween, pour l'automne, quelque chose d'un peu festif, je pense que ça peut être très joli. Donc voilà pour le teint. Je dois dire que je suis très contente du résultat pour le teint. Donc pour le teint, maintenant je vais finir mes yeux. Donc je vais venir déjà m'occuper du dessous. Donc pour le dessous, je vais revenir prendre la teinte un peu jaune que j'ai utilisée pour mon look au début. Et je vais la mettre donc sur le dessous de ma paupière. Pour rappeler un peu le jaune justement qu'on a mis en haut, pour faire un raccord. Et je vais mettre donc la teinte un peu marron foncé qu'on avait mis au-dessus aussi, juste là en coin un tout petit peu. Je pense que je vais aussi faire un petit trait de liner. Donc pour faire mon trait de liner, je vais réutiliser la même teinte un peu là qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc je vais venir la prendre sur mon petit pinceau de chez Sigma que j'adore, il est merveilleux ce pinceau. C'est le E06. Je trouve que pour faire des petits traits de liner, franchement, il est top. Il a vraiment une forme parfaite, en tout cas pour moi qui ai des petits... Enfin qui aime pas des trop gros liners. Si vous voulez des gros liners et quelque chose de plus épais, peut-être qu'un pinceau plus gros sera plus adapté. Mais moi qui aime juste faire un petit twing là, je trouve que ce pinceau est vraiment parfait. Donc voilà pour le petit trait liner et pour le coin interne, j'avais envie de venir prendre cette teinte qui est assez claire et assez duochrome. Ça va un peu du blanc au jaune, ça rappellera un petit peu justement le jaune qu'on a mis.
Donc je pense que ça peut être une teinte pas mal pour le coin. Donc je vais venir prendre ça. Bon, ça ressemble pas tout à fait à ce que j'imaginais, mais j'aime bien, maintenant que le tout est fait, qu'il y a le liner et tout, j'aime bien. Donc pour le mascara, je vais venir mettre celui de chez Rowen, c'est le seul que j'ai ouvert en ce moment. Et comme je vous disais, j'aime pas trop ouvrir plusieurs mascaras en même temps. Bon là, j'ai l'impression qu'il commence un peu à arriver vers la fin. Je trouve que la texture commence un peu à être différente, donc je peux encore m'en servir, donc je continue, mais... Ouais, je pense que celui-là, de toute façon, je devrais passer à autre chose bientôt. D'ailleurs, en parlant de mascara, j'ai reçu celui de Tarte 28. Donc bientôt, voilà, je pourrai vous faire une revue des nouveautés Tarte 28. Donc les crayons, quand je les aurai un petit peu plus testés, ce mascara, une des nouvelles teintes de gloss que j'ai reçues justement, enfin que j'ai commandé. Donc je vous testerai tout ça à l'occasion. Parce que, ouais, je suis curieuse de le tester ce mascara, parce que j'en ai entendu des retours très très bons. Donc j'étais assez curieuse de le tester. Donc voilà pour le visage. Donc pour les lèvres, j'avais envie de tester un autre des crayons avec vous. Donc la dernière fois, j'avais utilisé le rosé sur mes lèvres. C'était le Fill Me In. Et aujourd'hui, j'avais envie d'essayer le Work of Art. Je l'avais essayé hors caméra. Je crois que j'avais pas été hyper emballée. Mais écoutez, on va réessayer ça parce que je l'ai testé... un peu rapidement, donc je veux voir si là avec un look complet ça peut aller mieux. Bon, allez, on y va. Ouais, celui-là sur mes lèvres n'est pas exceptionnel, parce que je pense que vous pouvez voir en fait, il y a beaucoup de marron dedans. C'est vraiment très 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 marron. Donc c'est vrai que il est un peu difficile à porter. C'est vrai que sur les lèvres, mon préféré, c'est vraiment le rosé de la dernière fois là que j'avais utilisé, Fill Me In. Celui-là, je le trouve parfait pour moi. Mais c'est vrai que celui-là, ouais, je trouve que un peu trop marron. Donc bon, pour un look un peu Halloweenesque aujourd'hui, ça va. Mais c'est vrai que pour la vie de tous les jours, c'est pas le plus portable. Je vais quand même mettre par-dessus un petit rouge à lèvres parce que j'ai les lèvres un peu desséchées. Et vu que c'est pas. C'est pas les plus crémeux, on va dire. Donc, ils sont crémeux, mais. Bon, ça reste des crayons quoi. Donc du coup, je vais venir mettre par-dessus un peu de mon rouge à lèvres de chez Philo. C'est la teinte bof. Donc voilà, je vais juste mettre ça par-dessus. Comme ça, déjà, ça fera un peu moins marron. Et surtout, ça m'apportera un peu d'hydratation. Voilà, j'ai l'impression que ce combo est pas mal parce que ça garde un peu le marron. Mais voilà, ça fait un peu moins marron, ça fait un peu plus portable. Donc voilà pour le résultat de ce look un petit peu automne, Halloween. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer le résultat d'un petit peu plus près. Donc voilà pour le résultat final pour ce look un petit peu automne, Halloween. Donc écoutez, je veux dire que je suis très contente du résultat. C'est vrai que sur le coup, j'étais pas trop sûre pour les yeux, mais finalement, maintenant qu'il y a tout, c'est très sympa. Et je veux dire que le blush RMS là, franchement, c'est la perfection pour ces périodes un peu automne. Il est très réussi, j'en suis vraiment hyper contente de ce blush. C'est vrai que j'ai presque l'impression qu'à la caméra, ça fait presque un peu plus orange, mais c'est vrai que c'est tellement un beau nude pour la vie de tous les jours. Franchement, il est génial. J'en suis hyper contente, donc ravie de mon achat. Donc voilà un petit peu pour ce look avec tous ces petits produits. Donc j'espère que ce petit look vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la page. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.